Hello les breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Je suis au CAM à Montrouge, on est samedi et je vais m'entraîner avec Kylian pour l'UTR que je fais lundi. Donc voilà, une petite heure et quart, une petite heure et demie, j'ai pas rejoué depuis quand. J'étais physiquement atteint le dimanche, les deux matchs m'ont mis un peu dans le mal. Donc gros repos, donc là voilà, samedi, entraînement une heure et quart et ça jouera lundi. J'ai reçu les poules. Je suis dans la poule de Léo Bresson, un moins 4-6 que je connais très bien vu qu'il est normand et avec qui je me suis entraîné pendant un an à Caen il y a peut-être 6 ans maintenant. Ensuite, il y a deux jeunes de 17 ans que je ne connais pas et un belge qui est, je crois, classé moins 15. Donc voilà les breakers, je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti, je vais faire mon match à Montrouge. Je joue à 10h contre Léo Bresson, qui est un ami, je le rappelle. Donc, c'est un tournoi UTR. Pour ceux qui n'ont pas suivi la chaîne YouTube au tout début, j'ai commencé les quelques premiers vlogs par ça. J'étais en Bulgarie. Donc, en fait, c'est 4 poules de 5 joueurs. Donc, du lundi au vendredi, il y a 4 matchs, poules de 5. Il y a un jour off, donc pour moi, ce sera vendredi. J'aurai pas de match vendredi. Et ensuite, il y a match samedi, soit pour faire les demi-finales, soit pour faire les matchs de classement, pour être classé 20, 19, 18, 17, etc. Et celui qui perd samedi, il joue pas le dimanche. Et celui qui gagne, il joue le dimanche. Donc voilà les breakers. Je joue à 10h, je me suis levé à 7h, 3h avant. J'aime bien prendre mon temps et bien me réveiller. J'ai pris mon petit déj 2h avant. Et là, je vais m'échauffer à 9h, 9h20, voilà, pendant une demi-heure, je finirai 5 minutes avant. J'aime bien comme ça, je suis chaud. Mes circuits sont prêts, etc. Donc, j'aurai plus rien à faire. Voilà, bah écoutez, ce sera en live sur YouTube. Donc, pas besoin de la GoPro cette fois-ci. Je prendrai directement les points sur YouTube. À tout de suite. Et voilà, arrivé au CAM. Ça me fait très bizarre de venir ici. Match officiel. C'est la première fois que je vais jouer en match officiel ici. Donc voilà, gros complexe avec ici, là-bas, un terrain de hockey sur gazon. Et il y a, je crois, à peu près 13-14 cours. Donc voilà, et nous, on joue dans la salle qui est là-bas. Et l'arrivée de monsieur Léo Bresson. Le voilà. D'ailleurs, Léo, vous avez déjà vu dans un de mes vlogs quand il a joué contre Novak Djokovic. Donc je pense qu'il est chaud bouillant. Comment tu te sens, Léo? Bah, écoute, ça va. T'es chaud de me jouer? Ouais, j'ai ma tactique déjà. C'est quoi la tactique? Il est pas bien. Ah, pas jouer revers. Pas jouer revers. Super tactique, Léo. Thank you.
Bon, les Breakers, retour à la Casa avec mon adversaire du jour, Léo. Victoire, victoire sévère. On disait juste avant, qu'est-ce qu'on va dire à la caméra? Bon, 6-1, 6-0. Bon, voilà, donc Léo n'avait pas joué depuis 2-3 semaines au tennis. Pour raison personnelle, voilà, on n'en saura pas plus. Et donc, voilà, il comptait sur ce match pour se régler un peu pour le match d'après. On se connaît très bien, il savait que ça allait être dur, donc voilà, il voulait se régler pour jouer les autres joueurs demain, après-demain, etc. Donc voilà, moi j'ai plutôt bien joué, au début un peu timide, puis après j'ai très bien joué. Alors effectivement, leur caméra n'a pas fonctionné le premier set, je l'ai su à la fin du premier. Du coup, j'ai mis vite fait ma GoPro et leur caméra a fonctionné au deuxième set. Donc voilà, donc vous aurez que un set, deuxième set, qui a été le plus rapide malheureusement. C'est pas là où Léo a fait les meilleurs points. Et c'est là où j'ai fait les meilleurs points. Donc voilà les Breakers, mais écoutez, là je retourne chez moi. Il est 11h30. Repos cet après-midi, je vais faire 2-3 vidéos pour une formation que je tourne actuellement. Et puis voilà, ça va être assez cool et je rejoue demain. Je ne sais pas encore à quelle heure, je saurai ça cet après-midi. Et pour fêter cette belle victoire contre Léo, n'hésite surtout pas à mettre un petit like en dessous de la vidéo. Pensez à vous abonner les Breakers, c'est important. Alors, les Breakers, pour parler un peu stratégie, pour analyser un peu le match que j'ai fait aujourd'hui contre Léo, qui est gaucher, d'ailleurs j'ai deux gauchers dans la poule, je vais te dire un peu ma tactique quand je joue un gaucher. Et ça, c'est une petite astuce. Ça se trouve, toi, t'es un peu en galère quand tu joues un gaucher. Il y en a peu, donc quand on en joue, on n'est pas habitué. Et moi, je regarde souvent Djoko contre Rafa. Et Djoko, qui a un très bon revers, il sait exactement comment jouer Rafa. Et je te montre comment. Imaginons, toi, tu es ici. Hein, le gaucher est ici. Souvent, les droitiers, on veut absolument jouer le revers du gaucher. On veut absolument jouer ici, voilà, pour se mettre à l'abri, puis aussi pour agresser et attaquer. Sauf qu'en fait, les gauchers, depuis tout le temps, eux, ils jouent 80% de droitiers en match. Et donc, du coup, on fait tous un peu ça. On joue tous dans cette zone-là. Et ils sont tellement habitués et ils sont bons là-dedans. Eux, ils vont pouvoir se décaler en coup droit et ensuite faire le jeu. Par contre, un gaucher, ce qu'il n'est pas habitué à recevoir, c'est justement des revers de notre part, chut, plein champ sur leur coup droit. Ça, ils ne sont pas habitués et ils sont en général, hein, bien sûr, moins bon quand ils ont un coup droit à faire, une balle plein champ coup droit à faire. Ils sont meilleurs quand voilà, il faut se décaler en coup droit, en général, bien sûr. Donc, si on joue plein champ coup droit, lui, il va venir ici, et au fur et à mesure, sa zone de replacement va être plus par là. Alors habituellement, elle est plus par là, d'accord? Voilà. Donc déjà, on est en train de modifier un peu ses repères. Et ensuite, nous, ça nous ouvre, justement, vu qu'il va être ici, ça nous ouvre toute cette zone revers. Voilà. Et là, on va pouvoir agresser et de manière plus facile. S'il joue sur notre coup droit, eh bien, effectivement, c'est plus facile de croiser. Donc, pourquoi pas? Vous pouvez aussi construire, bien sûr, votre point sur son revers. Mais au bout d'un moment, va falloir le surprendre. Et là, pareil, vous pouvez jouer soit une balle longue, voilà, une balle longue où vous ne cherchez pas le point gagnant forcément, hein, mais c'est pour le faire bouger, hein, s'il est ici, c'est pour le faire bouger. Soit une balle coup de fusil ici, avec de la marge, hein, toujours. Voilà, et là, ils ne sont pas trop habitués. Donc voilà comment je joue globalement un gaucher, c'est que dès qu'il touche mon revers, en général, je ne vais pas le long de la ligne comme, entre guillemets, tout le monde, je vais plein champ sur le coup droit. Et si mon joue croisé, je retourne plein champ. Moi, je suis plutôt à l'aise avec mon revers, donc à vous de voir comment vous êtes. Mais moi, j'aime bien cette situation où, et en plus, en général, les gauchers mettent un peu de lift sur notre revers. Donc, on a un peu la balle, voilà, si on prend la balle plus ou moins tôt ou tard, on peut avoir la balle entre l'épaule et la hanche et bien s'appuyer dessus. Et moi, j'aime bien envoyer des bons revers à plat ici. Et si à un moment donné, bah, lui, il ne peut plus trop jouer et qu'il envoie une balle un peu plus neutre ici, eh bien là, coup de fusil, revers. Soit je me décale ici et je fais mon coup droit, soit j'y vais en revers long de la ligne. Voilà. Et quand j'en ai fait un ou deux ici gagnants, eh bien le prochain, eh bien je le remets croisé et ça fera peut-être un contre-pied. Et quand j'ai un coup droit à faire, bah, soit je construis côté revers et à un moment donné, quand j'ai une balle un peu plus facile, un peu plus neutre,
je vais plein champ côté coup droit et là ils sont pas trop habitués, il faut qu'ils se déplacent et c'est pas dans leur zone de confort. Donc voilà comment jouer un gaucher, voilà comment joue un gaucher. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les stratégies de jeu que je mets en place, j'ai créé il y a pas longtemps une formation qui s'appelle La Strat, dans laquelle je te montre comment battre tel ou tel profil de joueur. Exemple, comment battre un mec qui fait que défendre, qui lime, comment battre un joueur, un gaucher, comment battre un mec qui a un meilleur coup droit, comment battre un mec qui a un meilleur revers, comment battre un mec qui fait service volé ou qui a juste un gros service ou qui est très agressif au fond du court. Voilà, j'ai fait plusieurs vidéos sur plusieurs profils de joueurs. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, jusqu'à ce soir minuit, 23h59, je t'ai préparé une réduction de 120 euros. La formation est normalement à 199 euros, mais pour toi, elle sera à 79 euros jusqu'à ce soir minuit. C'est un gros cadeau que je fais avec plein d'astuces, plein de petits tips pour les vacances de Noël qui arrivent. Je sais qu'il y a pas mal de tournois, donc si tu veux être encore plus fort, tu as juste à cliquer sur le lien ci-dessous tout de suite.